respiration là. Si je lâche une caisse, tu vas le sentir. Chacun va travailler. Bon, bon c'est vrai que c'est bizarre, c'est vrai qu'on me regarde là. Y'a pas de raison. Yo la Delta Family, on se rejoint pour une toute nouvelle vidéo, c'est de la dinguerie, c'est un programme. Voilà, pourquoi un programme est hyper utile. Là c'est les vacances de Noël les gars. Jingle bell, voilà, je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas les frérots, voilà. C'est l'occasion, on vous partage un programme. Bah, je l'ai déjà écrit, je vous mens pas, depuis un petit temps. J'ai corrigé avec des joueurs qui sont aussi expérimentés, avec nos capacités ou autres, ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le mieux pour moi, pour tout le monde, voilà, une globalité. Et que ça soit efficace, les frérots, pour que quand vous rattaquez après des vacances ou après une période off, eh ben, on soit des monstres. Pour être des gros monstres, tu vois, le Delta Programme, faut que tu sois un monstre. Et d'ailleurs, juste pour ça, ça mérite un petit pouce bleu. Ah ouais, non mais les gars, c'est vrai que ça mérite un pouce bleu. C'est gratuit, je te demande pas, je sais pas combien d'euros ou autre, tu peux quand même lâcher ton pouce bleu, quoi, c'est... Voilà, donc là, on a noté dessus tout ça, donc voilà, je vais vous remettre au propre, t'inquiète pas. Pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on a tout mis, donc je vous expliquerai. Là, tu vois, donc le lundi matin, je mets rien. Le matin et le soir, du coup, on fait le haut de la mobilité. Une fois qu'on a fait la mobilité, c'est haut du corps. Du corps avec du gainage et tout ça, vous allez voir des petits jeux assez marrants en même temps. Donc, ensuite, on passe direct au mardi, on travaillera le bas du corps. Le soir, faudra faire de l'eau chaude et l'eau froide. Parce que j'étais à Cap-Breton, on m'a dit, bah, les machines, ça coûte combien? Je leur ai demandé, ils m'ont dit, oui, mais tu sais que t'as pas besoin de ça. Tu mets juste de l'eau chaude, de l'eau froide, t'alternes trois fois dans ta douche. Et c'est, ça fait la même chose. Mercredi, je crois, bah, le matin, il y a étirement. Étirement le matin, souvent. Cardio après. Donc, cardio, un test, je vous montrerai ça dans la vidéo. Le jeudi, du coup, comme on aura bien bossé, sollicité les jambes, on fait étirement. Voilà. Mobilité, on garde bas du corps plus haut du corps cette fois-ci. D'accord? Donc là, on met les deux, on réunit les deux du lundi et du mardi. Le vendredi, ça sera. Réception. C'est bien Caillou. Non mais voilà, le vendredi c'est proprioception. Et puis après le samedi, donc le samedi c'était la cune. Donc c'est à dire que toi si t'es une merguez comme Hugo au shoot, bah tu vas venir travailler. T'as bien travaillé samedi le shoot. Si ta manipulation de balle au dribble c'est nul, tu travailles ton dribble. Voilà, chacun va travailler tout simplement là où on a des lacunes. Voilà, comme ça il y a un programme, ok. Derrière, on vient aussi vers une petite spécification un petit peu pour toi. Et le dimanche, repos, c'est le jour du Seigneur. Oui. Les gars, on se rejoint tout de suite à la salle pour aller mettre tout simplement vous aider le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quel petit truc lundi vous pouvez rencontrer, mardi ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté ou autre, ou moi ce que j'ai pu rencontrer quand j'ai été tester certaines choses, d'accord. Sachant que là c'est ma semaine off. Donc, j'ai quelques petits entraînements avec le club encore, mais c'est off quand on n'a plus de match, c'est pas... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'après, je rattaquerai et je ne lâcherai pas. Et on ne lâchera pas la Delta Family, on sera ensemble, on se soutient. C'est très important. Vous avez des objectifs, vous voulez les avoir, vous avez fait peut-être des bonnes perfs, mais faut pas s'asseoir dessus, les gars. Il faut continuer, ne pas lâcher. Et on lâchera pas, parce qu'on veut tout dégommer sur le terrain. Et on veut surtout progresser un maximum. Ouais. Ah ouais. J'allais dire lâcher un pouce bleu, mais décalé. Ouais, bah tu on peut. Ouais, il se met dans le YouTube game, Hugo. Voilà. Voilà dans la salle de basket. C'est trop stylé, je sais pas pourquoi je fais ça. Ça fait longtemps qu'on avait pas fait des petits tutos. Voilà, c'est pas un tuto, c'est un vlog de mythique. Tuto, t'as compris. Bon, les programmes basket, les frérots. Donc, on va rémunérer un petit peu tout. Rémunérer, je sais pas si ça se dit, mais à mon avis, non. On va énumérer peut-être. Alors, ouais, alors le français, c'est pas mon truc. En tout cas, let's go, sans plus attendre, les petits gars. Donc, là, juste un truc avant que je vous explique tous les détails du programme. Il faut savoir un truc. Bon, oui, tu vas être souvent les vacances pendant les fêtes, c'est compliqué de bien manger. Je te dis pas qu'il faut bien manger sainement, équilibre. Oui, moi, je suis un programme. Non, mais s'il te plaît, il faut faire des efforts quand même pour mettre tout de ton côté. C'est-à-dire que le pain blanc, tu évites. Le sucre, tu évites. Prends du miel ou des trucs comme ça. Si tu dois manger, par exemple, je sais pas, des plats tout faits ou des sandwichs au débo, évite. Non, essaye de faire des trucs toi-même. Des légumes, bah, hésite pas. De la viande blanche, de la viande rouge, tu peux aussi également. Ne prends pas de la crème fraîche. Prends de la crème coco, du lait de coco. Remplace ça par ci, enfin par ça en tout cas. Les bonbons, évite, prends plutôt des cacahuètes, pas des cacahuètes, mais des fruits secs en tout cas, va manger plus de fruits, bois 1,5 litre d'eau par jour ou 2 litres. Et puis si t'as un petit, fais-toi une petite cure de magnésium parce qu'il fait froid, donc du magnésium marin, t'achètes ça en pharmacie, basta. Voilà, moi ces petits conseils d'alimentation, ça va avec.
Maintenant, dans le programme, tu verras, ça se peut que des fois, il faut bien que tu te sortes le programme imprimé où tu te l'écrives et que si un jour tu ne le fais pas, tu te mets un petit bonhomme rouge. Voilà, t'inquiète pas, c'est très important. Il y en a beaucoup qui le font dans le monde médical ou autre pour des autres programmes d'alimentation ou d'autres trucs. C'est pour que toi, quand tu vois ça, tu te dis « Ah, j'ai pas fait ». Ok, là, faut que je fasse l'effort le lendemain, faut que je donne tout. Et tu vas le voir visuellement, ça va beaucoup plus t'entraîner. Et voilà, ça aide surtout quand tu as la flemme ou quand tu vas voir, ça va être compliqué parce que tu vas être là, tes potes vont être en soirée. Tu dis, merde, demain, j'ai ça, j'ai ci. Je dis pas qu'il faut pas faire de soirée. Mais en tout cas, voilà, pour être régulier ou autre, ça, c'est la clé. Les gars, let's go. On part directement, les gars, sur le programme. Donc là, le lundi, c'est le haut du corps. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Alors, je vous explique. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares pour quoi? Oh, le move, Eh ben là, il y a Airball, là, Hugo. Comme on a dit, le haut du corps. Tac, hop, haut du corps. De toute façon, je vous remettrai ça directement en lien dans la description ou autre. Donc, je vous dirai tout ça. Donc là, haut du corps, c'est très important. Il faut vous prendre un petit portable directement. Hop, et on va se faire une petite séance de gainage. On va travailler un peu tous les côtés. Tu restes 30 secondes sur la face avant comme ça. Ok, t'évites de monter trop tes fesses, ni trop bas. Voilà, t'essayes de rester comme ça, les pieds, largeur des épaules. Ok, voilà. Une fois que t'es resté 30 secondes, tu ne poses surtout pas. Tu remontes pas, tu changes de côté comme ceci. Ça fait une minute après. Et puis ensuite, 30 secondes comme ça. On reste comme ça et ça fait donc 1 minute 30. C'est bien, je sais compter, Janie. Et une fois que t'as fait ça, donc t'as fait les milieux gauche, droite. Une fois que t'as fait ça, bah on repasse en comme ça. Ok, le but, c'est que tu puisses faire ça normalement 5 minutes. Non, ouais, 6 minutes. 1 minute 30, 1 minute 30. 3 minutes, 3 minutes, 6 minutes. Le but, c'est de le faire pendant 6 minutes au début. Donc, le 2 comme ça, le 3 comme ça, ça fait une. Et ensuite, ça, tu le fais 4 fois pour arriver à 6 minutes. Voilà. Ça se peut que tu aies du mal et au bout de déjà la première, tu n'y arrives pas. Donc, 30 secondes, c'est peut-être beaucoup pour toi. Donc, n'hésitez pas à la première, vous évaluer et aller sur 15 secondes. Mais franchement, les gars, c'est mental. Faut y arriver. Vous allez réussir. Je me fais pas de soucis. Peut-être que ça va être dur ou quoi, tu seras au bout. Mais faut surpasser, les frérots. Je vous jure qu'il faut surpasser. Donc, c'est-à-dire que là, pendant que tu es en train de bosser, il y en a qui seront en train de manger de la raclette ou je sais pas quoi, et toi tu vas aller te défoncer à la rentrée, donc il faut y aller. Donc ça, tu le tiens, je suis sûr que tu es capable. On tient comme ça 30 secondes, boum, et on enchaîne. Ok les frérots, une fois que tu as fait ça, tu reposes directement. Si vraiment tu galères parce que tu es plus jeune ou autre, et bah ça, tu le fais donc 15 secondes ou alors tu fais des pauses entre. Donc une fois que tu as fait gauche, tac, tac, bah tu reposes, mais 5-10 secondes grand max et tu repars. On va venir lever les jambes ici. Là, ton dos normalement il touche pas forcément, tu sais, il y a le petit creux. Donc là, tu t'imagines que c'est comme s'il y avait, je sais pas, un raisin. Allez, on va dire qu'il y a un raisin dans ton dos ici. Et quand tu mets tes mains là, tu viens pas chercher devant comme ça, tu viens chercher là, au-dessus de toi, et tu viens contracter tes abdos. Et en même temps que tu contractes tes abdos, tu essayes de faire en sorte que ton creux, ça vienne écraser ton raisin, si tu préfères. Et comme ça, tu fais du vin et après on boit, on picole, c'est trop bien. Non, voilà, t'as compris. Tu fais ça et tu souffles, ça écrase. 1-2 secondes, tu relâches. Tu refais 1-2 secondes, tu relâches. Donc là, j'en ai déjà fait 2. Ok, donc 1-2 secondes, 3. 1-2 secondes, 4. Une fois que tu as fait 10 comme ça, tu reposes un petit peu. Ensuite, tu repars et tu refais. Et quand tu refais, à peu près, tu le fais 3 fois. Voilà, tu fais 3 fois ces abdos-là. Ensuite, tu changes directement et on vient faire sur les côtés pareil. Donc là, tu fais 1. 2, 1, 2, et t'en fais 20 du coup. T'en fais 20 et tu reposes. Si t'en peux plus, bah t'en fais que 5 et ça fait 10. Et t'en fais 3 fois. Voilà. Les pompes, c'est pas mal. On va pas trop se buter non plus. Il faut pas avoir honte de pouvoir mettre les genoux quand tu fais des pompes. Vaut mieux ça que forcer comme un je sais pas quoi. Et puis en fait, tu sauras jamais faire des pompes. Donc vaut mieux y aller progressivement pour après réussir et faire des belles pompes. Hein. Donc là, tu fais donc comme ça. On vient descendre doucement et on monte. Doucement. Et on monte, t'en fais que 10, voilà. Et avec les genoux, ça donne ça. Donc plus tu galères, plus tu les rapproches, tes genoux. Voilà, et moins tu galères, plus tu les recules, tes genoux. Et tu fais la même chose. Et puis après, moins tu galères, bah tu te mets sur les pieds. Voilà. Il faut que ça soit pour tout le monde. Donc ça, t'en fais 10 et tu fais 3 fois. Ensuite, on en fait un que j'adore. Tu le fais pendant 1 minute, 3 fois. 3 fois 1 minute. Tu mets tes bras comme ça et tu fais comme ceci. Voilà, des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds comme ça. On va bien se remettre en forme. Très efficace quand un petit circuit. Tu vas devoir te mettre comme ça, te lever, se lever. Rebaisser, rebaisser. 1, 2, 3, 4. Et on lève. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu fais ça 1 minute et tu le fais 3 fois. Donc bien sûr, si tu vois que tu galères pas au bout d'une minute, bah tu augmentes mon coco. Tu te fais 2 minutes ça et tu le fais 3 fois. Voilà. Puis si tu peux faire 10 minutes, tu fais 10 minutes. Après gros, inscris-toi au truc de record. Parce que là c'est chaud boulette.
Le mardi, on est sur le bas du corps directement. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est plus le mardi. On n'oublie pas, du coup, le soir, l'eau chaude et l'eau froide. Une goutte d'eau chaud puis froid. Ça, j'ai pas à écrire. Et puis, je vous mets une goutte d'eau, voilà, comme ça. Tu comprends ça, chaud, froid, goutte d'eau, c'est pas genre t'as tes règles quoi, t'as compris le truc. 5-10 minutes de mobilité, avant le cardio pareil, M, mobilité, d'accord. C'est vrai que ça peut rien vous dire, mais le fait que je vous en parle aussi moi, oralement, en vidéo, bah derrière quand tu vas être face au papier, t'en comprendras un petit peu mieux. Ce que je vais faire sur le bas du corps, surtout pendant les vacances, et que j'aime bien, bah c'est tout simplement ce petit exercice. Je me mets sur une jambe ici, je baisse avec ma jambe, là tout doucement. Voilà, je vais pas chercher loin pour l'instant et je remonte dynamique, sans aller vite non plus. Voilà, je descends une jambe et je remonte. Je descends une jambe, doucement, et je remonte. C'est pas je laisse tomber, non. Vraiment, faut sentir le contrôle et je remonte, ok? Bien sûr, si tu vois que tu galères pas trop, tu vas chercher loin. Mais au début, je te conseille vraiment d'y aller au début, faire tes 10, limite tes 20, voilà, vraiment devant toi. Et après, tu pourras aller chercher plus loin. Voilà, mais je ne vais pas me pencher en avant, je reste droit, mon dos droit, je vais chercher devant et je remonte, ok? Tu me fais 10 d'un côté, 10 de l'autre. Une fois que tu as fini ça, tu m'en fais encore, mais tu me fais 15 d'un côté, 15 de l'autre. Ensuite, 20 d'un côté, 20 de l'autre. Et ensuite, tu fais 15, 15 de l'autre et 10, 10 de l'autre. Voilà, c'est en pyramide, montante, descendante. Tu me fais ça pour les jambes, c'est parfait, ça va être gainé. Donc là, on va faire les fesses. Les fesses, c'est simple. On se met comme ceci. On ramène son pied au niveau de notre genou. Et là, on va venir inverser son genou et le pied là, à l'extérieur. Et on ramène. Comme ça. Et on ramène. Et on ramène. 15-15 de chaque côté, 3 fois. Voilà, ça c'est simple. Ça a beaucoup de faire mal aux moyens fessiers. Et les moyens fessiers sont très très importants. D'accord? Très très importants. Ne négligez pas, je vous assure. Faites-moi confiance, les gars. C'est pas pour rien que je suis revenu bien en forme et ça va augmenter. Donc vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Ensuite, une fois que tu as fait ça, bah tu te reposes, chef, déjà. Hein, tu me fais, je sais pas, un petit repos de 1 minute ou 2 minutes. Voilà, tu prends bien le temps de te reposer, tu bois de l'eau en attendant. On se met comme ceci, on va chercher. Bon, on touchera pas, moi, c'est pour l'exemple, hein, Coco. Donc là, 90 degrés, on lève un tout petit peu. Et ici, on va venir chercher beaucoup, beaucoup avec ces quadrilles-là. Et on va faire des petits sauts comme ça. Et on met les mains le long du corps. Tac, tac, tac. Et on sautille comme ça. Boum, boum, boum. Ça va venir bien te brûler là. T'inquiète pas, mentalement, tu peux aller plus loin. Ça va te brûler, mais t'es capable d'en faire plus, je t'assure. Donc, t'hésites pas vraiment à te forcer. Tu m'en fais 50-50 là. Ensuite, 50-50 là. Et ensuite, 50-50 là. T'en fais 3 fois de chaque. Voilà, c'est tout. Je t'assure que c'est tout, mais ça va te faire mal. Et ça va te faire beaucoup bosser. Tu vas avoir des jambes tonifiées, solides. Et en plus de gagner de la puissance et tout ça, bah, je peux te dire que tes risques de blessure et tes douleurs que tu peux avoir, bah, elles vont beaucoup, beaucoup réduire. Donc franchement, c'est pas mal. Donc là, on lève, on ralentit, on lève, on ralentit, on lève, on ralentit. Et ça, 15 pareil. 15, 15, 15, 15, 15. Et 3 fois. Donc 15, 15, enfin voilà, tu m'as compris. Tu m'as compris, Diego ? Voilà, tout simplement, moyen fessier solide, la famille. On va mettre un pied directement ici, ok, en l'air, un pied ici. Le but, on va faire des sauts, hop, comme ça. On saute, on sautille, boum, boum, boum. On essaye comme ça de me faire 20 sauts. On me fait 20 sauts comme ceci. Voilà, 20 sauts. On essaye vraiment d'être dynamique dès l'impulsion à repousser direct. 20 de chaque côté, on fait 20, 20, 20, 20, 3 fois à chaque fois. Voilà, ce qui est important vraiment, en plus de travailler sa réception et d'amortir, d'accord, amortir, tu repousses, amortir, tu pousses, amortir, tu pousses. Et tu ne me fais pas ça. Non, amortir. Tu pousses, amortir, tu pousses. Voilà, ça c'est très important. On va travailler aussi tout ce qui est ischio, c'est très important. Donc là, il va me tenir les chevilles. Donc là, ça peut faire mal, donc je n'hésite pas à les sortir ici. Tu me tiens les chevilles. Allez voir, le but c'est d'aller le plus bas possible. Donc là, je ne suis pas chauffé, je ne vais pas forcer. Là, si tu vois que ça relâche là, le but c'est pas de faire ça. Ah, non, le but c'est de faire une résistance, d'aller au maximum, lâcher petit à petit, mettre tes mains et de faire ta petite résistance comme ça. Voilà, et remonter, mais pas remonter totalement comme ça, non. On remonte, on reste droit et on cède avec ses ischios. On n'en fait que 3, ça, 3. Ensuite, tu reposes 20 secondes, 30 secondes. Tu en refais 3, 20 secondes, tu reposes. Ensuite, on fait 6 directement. Cash, t'essayes d'en faire 6, 6, 6, voilà, pareil. Si tu n'as pas quelqu'un pour tenir, tout simplement, bah, tu sais, tu as ton lit, bah, tu essayes de mettre tes pieds, c'est bon, ça y est, ça, parce que si je lâche une caisse, tu vas le sentir. Hein. Et donc, tu essayes de mettre tout simplement tes pieds sous les barreaux de ton lit ou autre chose, tu trouves une solution, voilà, pour les ischios. Très important, là, on va mettre ses deux pieds comme ça, ici, ici, d'accord, et on pousse comme ça. Voilà, on pousse, t'en fais 20. Le but, c'est de pousser et redescendre doucement.
Après, c'est pareil, je te dis d'en faire 20, mais ça se peut que ça soit compliqué pour toi. Moi, c'est ce que là où j'en suis actuellement et ce que je fais, tu vois. Si c'est trop compliqué, t'en fais 15, mais tu le fais, surtout, t'es capable. C'est pas un programme qui est trop dur pour toi, non, on l'adapte facilement pour tout le monde. Donc, au moins, tu le sais et je te le dis, à toi d'adapter. Maintenant, il faut que tu le fasses ça 3 fois 20 en tout cas. Voilà, et si tu n'y arrives pas, bah, tu essayes une autre solution. Et c'est pour ça qu'il est important, vous avez vu, on se défonce les jambes. Donc, si le lendemain, tu vas avoir des courbatures, et le fait de mettre l'eau chaude et l'eau froide, ça va t'enlever ces courbatures-là. Tes jambes, elles vont beaucoup mieux récupérer. Ça évite les blessures, c'est beaucoup plus efficace et plein d'autres choses. Donc, vraiment, ne néglige pas l'eau chaude et l'eau froide, voilà, tout en buvant beaucoup d'eau. On revient sur du bas du corps plus le haut. Donc, on vient coupler le haut et le bas. Tu fais les deux. Vas-y, bon, moi, ça dépend, mais je pense que je vais pas faire totalement tout le haut. Je vais faire un petit peu plus de. Ouais, je vais faire les abdos, peut-être pas le gainage, je vais voir. Ça dépend à vous de voir ce que vous aimez ou pas. Vous faites un peu ce que vous aimez. Faut pas que vous arrivez là et faire la galère. J'ai le haut, le bas du corps, c'est la merde. Donc, non. Du coup, tu choisis un peu. Tu prends un peu des deux. Tu prends 2-3 exercices que tu as kiffé. Donc 3 de là, 3 de là. Et puis tu les mets ici sur ton jeudi. Voilà, tranquillou. Bas du corps plus haut. Donc là, je te mets. Donc étirement le matin. Le bas plus le haut. Voilà. Ensuite, pareil, hein, parce que là, tu te feras déchirer. Donc, hop. Là, ça, c'est pour te dire eau chaude, eau froide. Voilà, ça, c'est très important. Bien bosser le bas du corps et qu'il faut bien étirer tout ça. On fait la séance, donc, étirement. Bon, le matin ou l'après-midi, suivant quand tu fais ton cardio. Ensuite, là, c'est cardio. Pareil, rebelote. Je vous mets ça, là, c'est pour l'eau. Ça veut dire qu'on fait le chaud et le froid. Le cardio. Comment on va bosser le cardio? Tiens, fais voir un ballon, Hugo. Donc là, le cardio... Finalement, tu as différentes choses. Soit tu vas le bosser en endurance et tu vas courir dans les bois, mais ça, je déteste courir. Donc voilà, il faut qu'il y ait un truc, ça ressemble au basket. Tu te fais un luc léger. Sur YouTube, il y a un truc, test de luc léger, de l'armée de terre, je sais plus quoi. Tu prends cette vidéo, tu te mets les écouteurs ou autre, tu te mets dehors. De toute façon, moi, là où je vais aller, vers chez mes parents, vers chez ma mère, il n'y a pas de salle ou quoi. Donc je vais travailler quand même. Tu te mets un plot ou une limite de 20 mètres. Donc là, tu mets un premier plot, ensuite un. 2, 3, enfin, tu vas jusqu'à 20 mètres, t'as compris. Il y aura un premier bip. Au début, t'as pas besoin de t'échauffer parce qu'ils vont mettre directement les premiers bips en tant qu'échauffement. Donc là, au début, ça va faire, est-ce que vous êtes prêts? Oui, ouais. Hop, bip. Tu cours. Au début, ça va aller comme ça. Ensuite, faut que tu arrives au bon moment où ça fait bip et tu repars. Faut pas que tu sois là, t'attends 8 heures, bip. Non, non, le but, c'est voilà, c'est à toi de te gérer et de bien arriver. Et tu cours et tu cours et tu vas au palier le plus haut possible. Voilà, tout simplement, ton cardio, t'inquiète pas. C'est dur, c'est chiant, t'as pas envie de le faire. Mais souvent, si t'aimes pas le faire, dis-toi qu'il y en a 20 000 ou je sais pas combien de personnes qui aiment pas le faire. Donc si déjà pour toi c'est chiant, bah pour les autres c'est chiant, mais ils vont abandonner. Toi, vas-y, je peux te dire que déjà, tu vas entamer ta saison un petit peu plus différemment que les autres. Je t'assure. Et peut-être que tu n'aimes pas courir sans ballon parce que comme moi, tu es habitué, et bah cours avec ton ballon. Tu fais la même chose avec le ballon. Et t'inquiète pas, là aussi, ça va progresser. Et ouais, les gars, j'avoue, c'est chiant, mais on est la communauté, là, on se motive, la Delta Family. Y a pas de raison. Ok, les gars, on va y arriver, c'est sûr, les gars. En tout cas, ça fait grave plaisir, faut le faire. On partagera, en tout cas, sur Instagram. Je vous mettrai souvent là où j'en suis par rapport au programme lundi, mardi. Puis on partagera ensemble où on en est, ce que ça fait du bien. Et même sur le serveur Discord, on se dira tout parce qu'il y en a un serveur et se partage tout pour savoir si ça va ou si ça va pas, les gars. Voilà. Ensuite, on a le vendredi, donc là, proprioception. Ok, donc là, on vient détendre un petit peu tout ça parce qu'on aura bien usé tout. Donc là, proprio. Bien sûr, on fait un peu de mobilité au début. Et puis, enfin, après la proprio, toujours eau chaude, eau froide. On va essayer de, voilà, pareil là, bas plus haut, mobilité avant. D'accord, mobilité. On travaille la proprioception. Hein, donc là, normalement, tu te mets une petite moumoute bleue, là, tu sais, t'es en équilibre. Bon, moi, je pars du principe, je vais pas chercher mon matériel, comme ça, on avait rien. On a rien à débourser. Zéro, walou, c'est les fêtes de Noël, t'as pas de blé, cher. On part de ce principe-là. Là, tu vas rester sur une jambe, ok, tu te mets un minuteur, une minute, tu fermes les yeux, basta. Il y en a, ça peut être très compliqué, donc ferme pas les yeux. Mais je te conseille que normalement, tu vas y arriver comme ça, ok. Bah, tu fermes les yeux. Ça se peut que tu poses le pied, que tu refasses ça, ouais, tu t'as une minute, tu changes de côté, ok. Ça, c'est très important de la proprioception au niveau de ça. Ensuite, ce que tu peux te faire, c'est que si t'es à deux, bah, tu peux aller chercher un petit jeu, te lancer un ballon, réception, tu vois, t'amuser avec ça. Et puis là, ce qui serait intéressant, c'est de faire la même chose, mais tu sautes. C'est-à-dire que tu viens sauter, réception, tu restes 4 secondes. T'attends, tu sautes, réception, tu restes 4 secondes. Voilà, tu fais ça pendant une minute. Après une minute, si tu vois que ça te fait pas trop de douleur au bout d'une minute, toi,
fois, bah tu essayes de monter à 1 minute 30, mais normalement ça fait mal. Enfin, moi ça me fait beaucoup mal, donc je pense que ça devrait faire mal. Ça, la proprioception, donc voilà, c'est un exercice que je te propose. Tu vois qu'il y a des jours, c'est plus ou moins dur, mais ça fait partie aussi de ta période de repos où j'ai anticipé tout ça. Donc vraiment, n'essaye pas d'aller te remettre une charge derrière ça, t'inquiète pas. Fais ça, voilà, 3 fois généralement de chaque pied. Ensuite, tu changes, tu fais la même chose, mais là, tu essayes de dribbler cette fois-ci. Et en même temps que tu dribbles avec 2 ballons, tu fermes les yeux. Donc si c'est du hand, tu peux faire la même chose. Bah, du foot, bah, tu dribbles. Bah ouais, c'est plus compliqué là, du coup. Non, mais en tout cas, voilà. En tout cas, pour le basket ou autre, ou foot, tu prends pas de ballon, mais voilà. Au début, ce que je vous conseille sur les premières proprioceptions, c'est vraiment rester jambes tendues au début, comme ça, pour aller chercher vraiment la mobilité, enfin les chevilles, là, la proprioception des chevilles. Et puis ensuite, une fois que tu vas chercher avec le ballon ou dribbler, bah là, tu le feras pareil, mais 3 fois. Mais là, tu viens flécher un petit peu pour aller chercher un petit peu plus tout ton groupe musculaire en dribblant. Voilà, chaque côté, c'est léger. Voilà, on n'oublie pas les étirements. Et puis aussi, également, en même temps, la mobilité. La mobilité, je viens t'expliquer ça aussi. Le samedi, les gars, donc ça c'est selon tes lacunes, donc c'est à ton choix. Donc voilà, ça c'est au choix. Pareil, on va remettre, on fait un petit peu de mobilité, on y abuse. Et puis ça, c'est eau chaude, eau froide. Je répète 100 000 fois, chef. Voilà, j'ai pas compris, tu pourrais calmer la tête. Non mais bon, gros, t'as compris, normalement t'as compris. Et le samedi, vraiment, là, dans le programme, tu bosses ce que tu as vraiment envie, mais dans tes lacunes. Par exemple, moi, si j'ai du mal dans le drive, je vais travailler le drive. Si j'ai du mal à dribbler, je vais travailler le dribble. Si j'ai du mal sur la vision au basket, bah, je vais regarder un match de basket. Mais je vais m'accorder ce petit temps là, qui est du repos sur le haut, le bas du corps. Après, ça peut, voilà, il faut vraiment que tu ailles bosser quelque chose dans ton sport. Tu préfères pas le haut et le bas du corps, forcément, un truc un peu plus technique. Donc, ce que tu vas avoir du mal, donc le flotteur ou quoi, tu t'accordes 1h, 1h30 si tu es gourmand, mais pas plus, que pendant les périodes de fête de Noël, on n'a pas que ça à faire non plus. Ok, oui, le sport c'est bien, oui, c'est machin, mais il faut quand même profiter de la famille et rester en forme, même à côté. Donc, voilà, je te conseille vraiment de faire ça bien correctement. Donc, moi, je pense que je vais faire le drive, aller driver, percuter, direct shoot et percuter directement, finir. Et voilà, sur 1-2 dribbles, enfin 2-2 dribbles, voilà. Pas plus, pas faire du tricotage là, voilà. Non, ça sert à rien. Mais je peux te dire que, chef, le programme, il va plaire. Enfin, déjà, moi, il me plaît ce programme, donc forcément, il me plaît, il m'aide énormément. Donc, je pense que ça peut vraiment vous aider. Au début, je voulais pas faire ça. Je me dis, ouais, mais peut-être que je pourrais faire payer, faire comme ça. D'ailleurs, je gagne aussi. Je peux plus investir dans les vidéos que je vous propose. Je dis, c'est bon, on n'a pas que ça. C'est Noël, c'est cadeau, les frérots. Donc, juste pour ça, s'il vous plaît, un petit pouce bleu et ça fera grave plaisir. Hop, et le dimanche, bah là c'est repos, hein. Chef, là c'est repos, c'est off. Bien sûr, il faut que tu prennes ce repos. Le seul truc que tu peux faire, c'est aller voir ta copine. Hein, voilà, c'est d'accord. Non, mais le seul truc que tu peux faire, c'est tout simplement bah, étirement, mais pas plus. Hein. Parce que souvent, on veut faire plus, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que les exercices ne seront pas aussi performants, mais c'est le mot, Jean-Luc. Voilà. C'est la mobilité, ça, les petits gars. Donc, la mobilité, non, tu viens mettre ton pied à plat, ton genou ici, et l'autre pied à plat, ton genou ici. Et là, tu viens, bon, t'as pas besoin de cambrer comme ça, non, tu viens tout simplement, et c'est t'asseoir là, et tu te penches un peu comme ça, et tu essayes de t'asseoir un peu. Normalement, ça va bien te faire mal là. On va mettre ses articulations bien comme ça, ça va tirer un peu. On fait ça, bon, 5 secondes, tu relâches, tu te remets, et tu comptes, voilà. Et 1, 2, 3. 4, 5, et tu te remets. Voilà, tu le fais 5 fois comme ça. Bon, c'est vrai que c'est bizarre, c'est vrai qu'on me regarde là, ça fait un peu chelou, les gars, mais voilà, t'as compris. Tu vas mettre tes pieds comme ça, un peu, je sais pas comment on appelle, le zigzag. Et là, tu passes de là à là. Ok. Voilà, on vient chercher comme ça. Mobilité. Parfait. Ça, tu fais des allers-retours, t'en manges, t'en fais 25, ça suffit, 25-30, ça suffit largement. Une fois que t'as fait 25-30, tu viens faire la même chose, et sauf que là, tu pousses. Tu fais ça, tu pousses. Tu fais ça, tu pousses. Ensuite, on a celui-ci, les gars. Tu mets ta main là sur le côté, et tu viens chercher comme ça. Voilà, tu pousses comme ça. 5 secondes, tu changes. Tu changes. Voilà, on va au bout de ces articulations, dans ces capacités de l'articulation. Et voilà, tu changes. Parfait. Puis ensuite, tu as celui-là aussi. Tu as celui-là. Voilà, tu pousses. Faut que tu viennes écarter en même temps. Chercher un autre, tu écartes. Tu te fais pas mal, mais voilà. Ça, tu le fais 5 secondes. Tu relâches. 5 secondes. 5 fois 5 secondes. Et après, on vient changer. Là, cette fois-ci, on met les deux mains devant. Un pied là. On ramène son pied sur le côté. Pas là parce qu'on va être assez limité sur son pied. Donc tu ramènes là, tu fais 1,
2, 3, 4, 5, tu changes. 1, 2, 3, 4, 5, tu changes. Donc t'en fais 10. T'en fais 10, c'est très bien. Oublie tes articulaires. Donc t'as vu, c'est pas beaucoup. T'as pas besoin de te tuer à faire ça. Le but, c'est de faire un petit peu de mobilité avant d'attaquer les choses que tu vas faire. Ça peut être le cardio, le bas du corps, le haut du corps. Voilà, c'est important. On a tous besoin de mobilité. Souvent, on pense au sport, on fait que sport, c'est-à-dire qu'on fait, on court, on fait ça, allez, on pousse. Mais derrière, il y a la mobilité, il y a aussi, t'as les étirements, t'as ton sommeil, donc ça, c'est ton hygiène de vie. Donc, hygiène de vie, c'est sommeil, alimentation et tout ça. Donc, il faut faire très attention. Et puis, voilà, les gars. Donc, franchement, dans le programme, c'est vraiment complet. Et c'est rare que vous puissiez avoir un truc comme ça. Donc, voilà. Tirer le mollet, d'accord. Tu étires, tu tires comme ça. Voilà, tu viens chercher bien comme ça, et puis là tu t'étires, et l'autre pareil, tu fais 45 secondes, 3 fois. Ok, 45, 45, 45, tu penses bien souffler. Et là les petits potes, les petits gars, là pour s'étirer, tu sais, t'as ça là, mais ça c'est relou. Donc là, on va faire un bon étirement, tu mets ton genou là, plus loin, tu ramènes ton pied, tu ramènes le buste, tu souffles. Bon là, ça se peut que tu galères déjà. 45 secondes, pareil, 3 fois, et là, étirement des deux côtés, et là t'es un chewing-gum carambar. C'est top. Ensuite, t'enchaînes directement comme ça. Hein, on pense au... Voilà. Le barreau de chaise. On l'étire. Non, non, mais t'as compris, on va étirer tout ce qui est là. Les adducteurs, pardon. On étire bien les adducteurs. Ensuite, on va étirer tout ce qui est les fesses. Donc là, c'est différent. On met une jambe comme ça, une jambe derrière. On vient chercher devant. Ah, là, ça va étirer correctement. T'hésites pas. Correctement, ça, c'est l'autre étirement des fesses. Là, tu cherches devant. Voilà. Une fois que tu as fait ça, on va étirer le psoas iliaque qui est là parce qu'on l'aura beaucoup, beaucoup utilisé. Donc là, tu mets une jambe pliée, une jambe là, tu ramènes. Et là, ça va tirer la jambe, ok. Mais pour le psoas, ça va tirer limite vers le, dans le ventre. Et tu ramènes derrière et tu souffles. Et là, tu danses, quoi. Là, tu sens la sensation, là. Voilà, tu me fais ça. Là, on est bien étiré. L'autre étirement, les frérots, tu mets un pied là, un pied ici. Tu viens essayer, voilà, comme ceci. Ça va t'étirer ici. Voilà, et tu, pas besoin, voilà, tu te mets comme ça et t'étires. Pareil, 45 secondes, 3 fois. Voilà, et là, tu changes, fais de l'autre côté. Voilà, souvent, c'est les matins. N'oubliez pas que c'est en espace de 4 heures. Parce que si tu fais bien avant, si tu fais des étirements avant de jouer, il faut plus faire des étirements dynamiques. Donc là, au mieux de rester longtemps, tu fais comme ça. Ça, c'est dynamique. Et là, que non. Tu restes comme ça et tu tires longtemps. Donc ça, tu le fais voilà, 4 heures avant, 3 heures et demie avant. Voilà, donc le matin, c'est mieux. Si tu fais l'après-midi ou si tu le fais le soir, bah, l'après-midi, tu fais tes étirements. Voilà. À toi de voir, de t'adapter. Je t'impose rien, quoi. Tu vois, tu es libre de ton choix, mais travaille efficacement. Ah, celui-là, il est bien, il est important. Tu te mets comme ça, tu te roules, tu viens chercher tes pieds, tu te laisses tomber. Ça va étirer là, pareil, tout ce qui est derrière. Tu souffles, tu vas chercher plus loin. Quand tu te relèves, tu relèves pas direct. Tu laisses ta tête rouler. Tu te relèves le dos comme ça, au bout de les 45 secondes, tu relèves la tête. Et ensuite, tu attends 10-20 secondes de repos et tu repars. Ça, c'est efficace. Les gars, je peux vous dire que vous allez revenir en force après les fêtes de Noël, métamorphosé. Bah, j'y compte bien. Il faut vraiment que ça soit ouf. Du coup, on va se mettre comme ça. On va mettre une jambe là, une pied là. Et on essaye d'aller chercher là et tirer son dos. Et on souffle. 45 secondes de chaque côté. Et voilà, ça c'était le dernier étirement. On a vraiment étiré beaucoup. Donc que ce soit les mollets, ici, les ischios. Après, ça se peut que vous ayez des douleurs autre part. À vous aussi d'adapter un petit peu. Moi, c'est en tout cas souvent ce qu'il faut que j'étire et que j'hésite pas à aller faire. Et puis, c'est beaucoup bénéfique. J'ai beaucoup de résultats grâce à ça. Donc, je vous le partage avec vous. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Mais au moins, j'aurais partagé, quoi. M, c'est la mobilité qu'il faut faire bien avant, que ce soit lundi, mercredi, on fait de la mobilité articulaire, c'est très important. Ok, ensuite on travaille souvent, que ce soit sur le bas du corps, le haut du corps. Il n'y a que là le jeudi, on dirait que je présente la météo les gars. Donc là, sur Perpignan, non mais en tout cas voilà, avec là, donc ça c'est le bas plus haut, donc on vient coupler un peu des deux, vous en prenez ceux que vous kiffez et vous les faites. Voilà, c'est peu d'importance, mais il faut les faire, bas et haut. Voilà. Et puis ensuite, à chaque fois, donc mobilité, travail, et ensuite chaud et froid. Très important pour la récupération, très bien. Parce que si tu fais pas ça, là tu as travaillé le bas du corps, tu vas avoir plein de trucs dans tes jambes vont être lourdes. Et le fait de faire le chaud et le froid, bah, ça va t'aider. Le chaud et le froid, bah, je t'en parlerai juste après, mais le but c'est que tu te douches, normal. Hein, je vais pas te déshabiller là, il y a du monde. Tu te douches un petit peu et puis ensuite, une fois que tu es douché, tu fais du froid pendant 30 secondes, tu vas chercher derrière et tout. Voilà, tu arrêtes, tu te redouches un peu, tu vas sortir des petits picotements, tu refais du froid. Tu te redouches un petit peu, voilà, t'attends, tu te mets de la musique si tu veux. Et puis après, hop, tu refinis par du foie 3 fois et tu te casses. Salut, merci, bye bye.
Voilà, t'as compris. Le petit tableau là, je vous le sors soit sur Discord ou soit directement dans le lien dans la description. Juste pour ça, les frérots, ben voilà. Là, c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose, mais je vais vous faire un truc bien. Je pense sur Excel, si j'ai Excel, je sais pas trop, mais je vais vous faire un truc carré, d'accord? Voilà. Et puis, vous allez voir en dessous, même je vous mettrai fait, pas fait. Par exemple, le lundi, j'ai pas fait, bah tu te mettras un pouce pas content. Et si là, t'as fait, pouce content. Enfin, voilà. Enfin, une tête contente, c'est pas un pouce. Mais voilà, c'est très important, les frérots. Et voilà. Les frérots, c'était très important que je vous partage ça, que moi, c'est ce que j'allais faire. Je me suis dit, bon, comme je vous vlog un peu ma vie, bah, je vais vous partager aussi mon programme. Il y aura de nombreux tutos aussi par la suite. Franchement, ça me fait grave plaisir de vous donner ça. J'espère que vous le ferez vraiment correctement. Vous me partagerez vos résultats, notamment sur Instagram, sur Discord aussi. Grâce à ça, les liens sont dans la description. N'oubliez pas que vous avez tout simplement aussi des codes de réduction directement dans la description. Voilà, description. Tu veux t'arrêter avec ta description? N'oubliez pas qu'il est très important. Moi, je fais ces programmes, c'est pour être vraiment au top de ma forme, essayer de donner le meilleur de moi-même jusque où je peux aller. Et ben, on va se tester. Le moral, il faut l'avoir, les frérots, même si ça peut être compliqué. Et j'avoue que moi, je vais retourner vers ma famille, je vais retourner vers mes amis d'enfance, j'ai pas vu. Mais derrière, c'est pas pour ça qu'il faut tout lâcher ce qu'il y avait, ce que j'ai pu entreprendre. Donc, je compte sur vous vraiment aussi pour avoir cette force, cette motivation. Je serai derrière vous et je suis vraiment derrière vous. Je lis aussi tous vos commentaires, donc n'hésitez pas en commentaire. Et puis voilà, dites-moi si vous êtes prêt pendant les fêtes de Noël à tout simplement suivre le programme ou en tout cas au moins faire du sport. Je veux savoir ça dans les commentaires. Je vais aller checker ça, les commentaires de tout le monde. Et les gars, on se rejoint pour la prochaine vidéo. Et comme tu sais, j'espère que tu seras à l'heure et présent et opérationnel, les frérots.